Et salut tout le monde et bienvenue dans la suite du let's play du coup toujours de Dying Light. Donc la dernière fois on avait été au silo, on avait tout pété, je vous ai dit qu'on se retrouverait au phare. Sauf qu'en fait en explorant un peu à côté du silo, j'ai vu là cette barre de vie Behemoth. Behemoth. Alors du coup, j'ai été voir un peu ce que c'était et c'est un gros truc. Bon, le problème c'est que... Oh ça, il a l'air de tomber assez rapidement quand même. Il faut savoir que cet entrepôt là qui est juste là, je vous montre après, était rempli de zombies, mais alors quand je dis rempli, c'était vraiment rempli. Et une fois que je les ai tous tués, je reviens, et là je vois quoi? Je vois le gros truc, la Behemoth, je me suis dit que c'est ça que c'est derrière. Ça lui fait très mal ça. Tiens, alors là ça me fait mal à moi, oui. On entend le compteur GGR du coup qui s'enflamme. Et du coup pour l'occasion je me suis fait plaisir, hein. Je me suis crafté masse grenade. Et je me suis également fait des balles, des carreaux à impact. Ça se dégage. Ah putain, il y a du monde là qui arrive. Venez, 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 je vous attends. J'essaie de mourir. Complètement merdé cette balle. J'avais des carreaux balles toxiques. Ok. Et on va reprendre. Et je crois qu'il me reste pas des genres de... Oh, si, il me reste une. Les toxiques, vraiment ce que ça fait. Ça a l'air d'être assez efficace. Il ne reste plus de vie là. J'ai pas trop envie d'aller me recrafter des trucs juste pour finir ça. Et il se prend tout là. Attends pas. C'est pas ça que j'ai prévu, hein, mais je pensais que j'allais avoir un couteau en fait, enfin une lame. Pas du tout. Alors, attendez, là il va y avoir deux trucs qui vont venir vers moi. Je pense que... Eh mais... Je pensais pas qu'il pouvait passer derrière moi par contre là. Ce n'est pas bon pour moi ça. Attends, deux secondes. Et je peux plus m'en crafter en plus, je crois. Je peux plus me crafter de... Ouais, non, j'ai des shurikens, c'est le seul truc que je peux me crafter. Putain, j'ai crafté vraiment tout le reste. Bon, on va faire comme ça, hein. Allez, viens. Voilà, meurs en silence. Il est où, Roger, là? Viens, Roger. Tu brûles. Non. Je voulais absolument pas faire ça. Putain, la connerie que j'ai fait. Oh putain de merde. Oh la vache, la vache. Lève-toi. Allez, on ressort d'ici. Merci. C'est pas que j'ai pas confiance en moi, hein, mais... il est un petit peu lourd.
masse lourde. Tu fais, je suis sûr. De toute façon, que tu le veuilles ou non, à un moment donné, tu vas devoir mourir. Est-ce qu'à votre avis, le... D'accord. Il a envoyé le truc de ma gueule. Non, c'est bon. Sinon, je pensais à prendre mon 6 coups. Qui a été plutôt efficace la dernière fois. C'est peut-être pas le 6 coups que j'avais pris. Je sais pas lequel fait le plus de dégâts. Le 6 coups fait du 378 et le feu rapide fait du... Ok, il fait moins, donc ça on est d'accord. Je vais prendre ça et je vais remplacer la faux par le fusil de police. La police est encore un peu plus efficace du coup. Tiens, un coup de pied. Ça allait très vite au début, donc tu vas continuer de mourir s'il te plaît. Tu deviens longuet là. Allez debout. C'est-à-dire qu'au début j'ai enlevé toute sa vie d'un coup. Loupé, tu m'as loupé. Non mais... Allez debout là. Techniquement, c'est obligé de te faire mal. C'est quand même douloureux ce que je t'envoie dans la tronche. Moi, en tout cas, ça me fait mal. Oui, c'est pour. Alors là, je suis complètement désapprécié. Sa vie, j'ai l'impression qu'elle descend tellement plus. C'est fou, tu sais. Attends, Oh mais non. Je le refuse. Ça, ça m'énerve ces bugs là. Donc, ouais, t'es loin, y'a rien qui passe, mais tu comprends. Je prends des petits éclats quoi. Bon, là il me reste 7 balles à un pote. Ok, on va lui envoyer dans la tronche. On improvisera à la fin. J'ai envie de me craft des... parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça a pu avancer. Je vais crafter des shurikens... Enfin, un shuriken givrant. Voir un peu ce que ça fait. On va aller... Bah, c'est bon, je les ai déjà. Alors, shuriken... Là. Ça rebondit. Eh mais en quoi ça rebondit? En quoi tu tomberas et il traverse les murs? Eh pardon mais... T'as pas une armure sur la gueule hein. Je suis désolé mais bon... T'as quand même pas ça hein. Ah mais j'ai les grenades toxiques aussi, mais voilà, je savais bien que j'avais un petit truc. On va tester ça. Oui, mais forcément c'est par le côté aussi. Ça ne lui a rien fait.
Alors, je voulais pas utiliser cette arme là. Ah non, c'est moi, putain. Oh la vache. Ça sert à rien, Jean-Luc, tu es mort. Tu pourrais te décéder. Ça, ça a l'air de lui faire mal quand même. Faut décéder, monsieur. Hein? Alors, par contre, si j'ai plus de balles de rien, ça va pas trop le faire. J'ai plus de balles de ça. Je pense pas qu'il me reste de. Ah non, je pense pas. Voilà, je suis une merde en fait. Non, non, tu meurs. Bon, par contre, si... T'as un trou dans la poitrine, tu feras attention là. Je vais essayer de rentrer, puis on va improviser après. Bonjour, monsieur. Au-dessus. Je vais en dessous. Parce que, en fait, je viens de voir que là, il y avait l'étage. Tu vas monter. Ok, tu vas monter un peu mieux que ça, s'il te plaît. Voilà, à l'étage, quoi, c'est... Voilà, merci. Voilà. Deuxième pour le plaisir, parce que bon, il m'a fait chier. Ok, d'accord, mais en fait, depuis le début, j'aurais tellement dû rentrer. J'ai appris à fabriquer gros tonnerre. Oh, j'ai une clé de transport militaire. Je sais pas du tout à quoi ça me servait. Alors, on va fouiller ça. Du coup, le gros est mort, donc je pense qu'on va juste fouiller là. On s'arrêtera là pour cette vidéo, parce que c'était juste histoire de voir qui était ce Behemoth et ce qu'il voulait à notre cher ami. Il y a du monde qui arrive là, du zombie. Ouais. Je suis en train de soigner, donc dégage. Parce que t'es chiant en fait. Voilà. Hop, merci. Du coup, je vais aller voir le gros là, il est où? Ok, il est déjà parti. Les cigarettes. Il est où lui? Sur le toit. Il s'est fiché sur le toit. Par contre, il y avait vraiment que ça. Enfin, du coup, j'ai la clé de transport militaire, mais je sais pas du tout à quoi ça me servait, la clé de transport militaire. Là, il y en a deux qui veulent venir. Sauf que c'est une fête privée ici. Vous rentrez pas. En plus, il y a déjà eu la petite sauterie. Ah, ça y est, il m'a eu. Non, je vais juste essayer de regarder, de retourner en haut, voir si j'ai rien loupé en haut. Et je crois pas. Et toi, voir. Ok, donc là où il y a un petit coffre. Bon, ça c'est un petit coffre tranquillou. Enfin, je pense pas qu'il y ait normalement un truc très intéressant dedans parce qu'il a l'étage, il est, tu vois. Achète VR, super, merci. Bon, bon moi j'ai récupéré un truc à revendre. Et là-haut, non, il y a rien. Hein. Putain, mais en fait, c'était vraiment le juste pour le tuer, quoi. Ok, bon, j'ai récupéré la clé. On verra bien à quoi ça sert. Et sur cette mort sublime, ce
c'est bizarre si tu... Voilà. Oh, je voulais l'empaler, et je vais l'empaler avec le bras, c'est dommage. Bon, et ben sur cette tuerie de Behemoth, voilà, je pense qu'on va se laisser là du coup pour cet épisode, et la prochaine fois, on reprendra un épisode un peu plus long pour aller voir du coup au phare ce qu'il en est de la mission principale. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien. Ciao.